Salut, salut, Luc Armand Nguessan. Aujourd'hui, je suis là pour m'adresser au monde entier. Aujourd'hui, on a un petit problème. Mais ce petit problème est un grand problème. C'est lequel? C'est comment articuler les mots? Oui, comment bien articuler les mots, c'est un grand problème pour tout et chacun. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des jeunes qui s'expriment mieux au quartier, on se dit, oui, lui, est-ce qu'il a fait des relots, bien il se prend, il chocore, il a une manière de parler, tout ça. Mais vous ne connaissez pas son secret. Il y a trois choses pour mieux articuler les mots. Après, je vais faire des exercices, vous allez voir. Le premier point, c'est de lire beaucoup. En lisant, lire, c'est d'apprendre plus. Lire, c'est de voyager. Lire, c'est de parcourir le monde sans se déplacer. Lire, c'est d'étudier la civilisation extérieure. Aujourd'hui, on se dit, comment parler en public? On a peur quand on dit parler en public, quand on dit s'exprimer. On a tendance à parler. Et on n'a pas tendance à bien s'exprimer. C'est le grand problème qui est là. Comment bien s'exprimer? Comment bien articuler les mots? Bon, aujourd'hui, je vais vous donner un doc. Quand tu lis, que tu vois de nouveaux mots ou des mots difficiles, recueille-les et apprends-les. Tranquille, ça va passer. Et vous allez voir que dans un mois, dans 2 mois, votre manière de parler change. Ceux qui ne savent pas vont dire non, lui il se prend ou bien il vient de faire un tour derrière l'eau. Pourtant, la rivière qui est dans ton quartier ou bien la rivière qui est dans ton village, tu n'as jamais traversé. Vous voyez un peu? Donc, le second, c'est d'être soi-même pour mieux s'exprimer. Sois fier de toi-même. Lire, c'est une tendance, c'est de la musique, de la manière dont nous écoutons de la musique. On écoute les artistes, mais lisons. Lisons les œuvres. Il y a plusieurs œuvres. Si tu ne peux pas lire les œuvres, mais quand même, il y a la Bible. Il y a des œuvres qui parlent de les œuvres de la religion. Le Coran, le Talmud, tout ça, tu peux les lire. Au moins, en les lisant, ça va te donner une connaissance religieuse. Connaissance de Dieu. Bon, bref. Lis. Voici les exercices dont je parle. Suivez-moi correctement. Ok. Le premier point, c'est de faire un exercice de bouche. De faire les va-et-vient avec la langue. Du gauche-droite, gauche-droite. Vous voyez? Deuxième point, c'est de tourner la langue autour des dents. De tourner la langue dans la bouche, autour des dents. Troisième point, c'est de faire des grimaces avec la mâchoire. Ok, premier point, je dis de faire les va-et-vient, gauche, droite, suivez-moi. Deuxième point, c'est de tourner la langue autour des dents. Troisième point, c'est de faire des grimaces quand je dis des grimaces. Vous voyez? On a tendance à dire pakis. Oui, la mâchoire. La mâchoire, vous voyez? La mâchoire. En faisant ça, la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure vont avoir une collaboration directe.
et la langue sera légère dans votre bouche. Prenez le cas de dire, un chasseur chassant chasse son chien de chasse. Un chasseur chassant chasse son chien de chasse. Panier piano, panier piano, panier piano. Cloclotica cloclotaka tocotique. Cloclotica tocotaka cloclotique. On trouve ça ridicule, tout ça. Mais ce sont des... On peut dire, oui, le béaba. De mieux articuler les mots, de mieux s'exprimer. Bien en plus, à travers cette vidéo, faites plusieurs recherches sur Google, tout ça. Mais suivez-moi, c'est Luc Armand Guessant pour les conseils, pour les poèmes et le Bénin Vérité. Je suis avec vous, je suis ravi de vous rencontrer. Ma chaîne YouTube est disponible à tout le monde. Abonnez-vous.